La première fois que j'ai entendu parler de l'ENSAI, c'est ma professeure d'économie qui en a parlé parce qu'elle avait une amie, quand elle était en prépa, qui était rentrée à l'ENSAI à son époque. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de l'ENSAI. C'est vrai que c'est un choix qui n'est pas forcément évident. On hésite beaucoup entre ingénieur et statisticien public. Mais c'est vrai qu'avec la chance du cursus BL, où on fait beaucoup de sociologie et beaucoup d'économie, on a cet attrait pour la statistique publique parce qu'on l'étudie beaucoup et qu'on a peut-être un regard plus prononcé sur ce qui se passe dans la statistique publique, et c'est pour ça que ça nous intéresse aussi beaucoup. Alors, j'ai vraiment une anecdote à vous raconter. C'est celle de mon premier cours de maths, un cours d'intégration avec un enseignant-chercheur. Je peux vous dire que je pensais que les cours de mathématiques en BL, c'était compliqué. Quand je suis arrivée à l'ENSAI et que j'ai fait ce cours de maths, je me suis dit « Ah, bah finalement, les cours de maths en BL, c'était très simple et ça allait. » Non, oui, c'est vrai qu'il y a un petit écart, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, je pense que c'est un écart qui se monte facilement. Et puis quand on monte une étape, en général, on a toujours cette impression que, en fait, quand on la gravit, c'était finalement rien et qu'on peut toujours les gravir au fur et à mesure et on aura toujours cette impression. Non, il n'y a pas que des enseignements théoriques, c'est ça qui fait la valeur de l'école aussi. On a de la pratique et de la théorie. Et on est opérationnel quand on sort de l'école, déjà en fin de deuxième année. On est capable de faire des études et de faire pas que de la théorie, de pas expliquer ce qui se passe en statistique, on peut aussi l'appliquer. C'est ça qui fait la richesse de l'école. Alors, c'est vrai qu'on a eu une période spéciale avec le confinement. On avait beaucoup de cours à distance, mais on a eu un très très bon suivi. Et peut-être un cours qui m'a marqué cette année, c'est traitement de la non-réponse dans les enquêtes. Parce que l'enseignant était toujours là à nous relancer pendant tout le cours. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas lâcher ce cours. C'était vraiment... on nous poussait à suivre le cours, même si c'était difficile à distance. Et ça, je le retiendrai toujours, ce suivi de l'ENSAI par les professeurs. Bien sûr que je vais poursuivre mon master. D'ailleurs, j'ai eu ma place en janvier. Et je serai dans le master évaluation et décision publique l'année prochaine. Et je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir faire ce master après nos 2 ans à l'ENSAI. Comme ça, on a un cursus similaire aux ingénieurs et un diplôme de niveau master bac plus 5 à la sortie de l'école. Après le master, j'aimerais beaucoup passer le concours d'administrateur. Donc, soit en externe, c'est-à-dire tout de suite après mes études. Je pense que c'est une bonne voie de passer par là parce qu'on est encore plongé dans les études. Mais si j'y arrive pas, on a un nombre de chances illimitées maintenant pour passer ce concours. Donc j'attendrai de le passer en interne, c'est-à-dire 5 ans après être entrée en poste. Alors tout d'abord, je pense que l'ENSAI, c'est une chance. De rentrer à l'ENSAI, c'est rentrer dans une super école, dans un super campus, avec des super professeurs et tout un entourage qui vise à notre réussite. Et par rapport à cette réussite, je pense que c'est aussi une école sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut adapter notre parcours et le faire à notre taille, et à nos besoins et à nos envies. Donc c'est ça la chance d'avoir une école comme l'ENSAI.